Bé, doncs, eh, molt bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels eh, debats d'educació, la penúltima, de fet, del de, curs actual. Ens trobem novament en aquest eh, magnífic auditori perquè el Museu d'Art Contemporani de Barcelona col·labora, eh, com sabeu, de manera sostinguda en aquesta, en aquesta iniciativa. Hem de donar, doncs, per tant, d'entrada les gràcies al, al MACBA per les facilitats que en dona a l'hora de portar a terme eh, aquests debats en aquest espai i també eh, per les facilitats que ens ofereix eh, per l'enregistrament eh, en aquest espai doncs que ja ha esdevingut el nostre espai habitual. Recordar-vos, doncs, pels, pels no habituals, que Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una trajectòria, de fet, de gairebé ja 10 anys, podem dir que Debats d'Educació s'ha consolidat com un fòrum de, de discussió obert a la ciutadania en general, als agents socioeconòmics, polítics i culturals de, del nostre país i, singularment, també als especialistes i professionals del sector de l'ensenyament. Es tracta de, i aquest és el nostre propòsit, enriquir el debat amb perspectives provenents del nostre context més immediat, però també d'incorporar, com en el cas de, del dia d'avui, òptiques alternatives que podem trobar en el, en el panorama internacional que ens ajudin a repensar quins són els reptes que ha d'encarar l'educació, que continuem considerant element, una peça bàsica per al present i el futur de la nostra societat, i de quina manera eh, podem afrontar-los. Seguint aquest propòsit, aquest curs, eh, ja hem comptat amb la intervenció de la, de la professora Isabel Soler, amb qui hem abordat els desafiaments que planteja eh, una qüestió tan fonamental com la competència lectora, com a clau per a l'aprenentatge, i més recentment també hem comptat amb la presència del filòsof i pedagog José Antonio Marina, amb qui hem pogut debatre en torn del paper de, de la família i, i també de l'escola en l'educació del talent. La web dels debats d'educació eh, sabeu que posa a la disposició totes aquestes ponències, totes des, de, des del bon començament, mm, i per tant, diguem-ne, aquí hi trobareu tot el material, eh, tota la informació eh, a la vostra disposició. D'altra banda, avui doncs, eh, també hem d'anunciar, diguem-me com a novetat, que posem en dansa, posem, estrenem eh, un hashtag, eh, un, el hashtag eh, debats, edu debats educació, l'heu vist, eh, suposo, no sé si us heu fixat, però l'hem posat també, està aquí, el tenim aquí en el, en el peus imprès i també a, a, la, a la porta. Eh, uh, I em, em, fan saber també doncs, que la sala doncs, compta amb, en aquests moments amb, amb, amb la possibilitat de connexió wifi eh, uh, per al propòsit eh, uh, que tenim de, bé, de progressivament, això també ho anireu, anireu veient, d'anar doncs, aprofitant els recursos que ens ofereixen les, les xarxes socials precisament doncs, també per eh, uh, donar més força en el propi debat. Avui no comptem amb l'aportació la, de la professora Ned Nodding, Nell Noddings, que us vam anunciar eh, en, el, en el darrer debat que intervindria avui. Eh, finalment, sembla que aquest debat doncs, no podia ser. Eh, ens hem obligats a suspendre eh, aquesta opció per raons, eh, us puc assegurar, de causa major de la pròpia ponent. Esperem doncs, poder tenir una, ocasió, una altra ocasió més endavant. En qualsevol cas, sí que hem intentat eh, i hem aconseguit mantenir la data prevista eh, i això ha estat possible perquè, de fet, el nostre ponent eh, ha acceptat eh, a, a adaptar la seva agenda i, doncs, i amb un marge de temps, de fet, que li hem donat escàs, doncs ha acceptat la, la nostra invitació. Per tant, eh, d'entrada, ja li vull agrair eh, la seva disponibilitat i principalment l'oportunitat que ens ofereix d'apropar-nos a la discussió sobre per què eh, i de quina manera podem eh, millorar el clima escolar. Una de les qüestions que, sens dubte, eh, planen en la vida quotidiana de les nostres escoles. Ens hi acostarem, doncs, des de l'òptica privilegiada que ens pot oferir el professor eh, Eric de Barbier, eh, a qui jo no presentaré perquè eh, ho farà el director de la Fundació Jaume Bofill, com sempre, l'Ismael Palacin. Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies aquest vespre a tots els que els que heu vingut. Bé, la violència a l'escola, el clima, la convivència escolar forma part de les preocupacions i dels riscos associats a un entorn que ha de garantir la seguretat dels infants i dels adolescents al seu càrrec, però al mateix temps també ha de procurar crear el que a vegades en diem unes condicions d'educabilitat, unes condicions òptimes perquè es doni l'aprenentatge. És per tant una qüestió de seguretat, com sovint doncs, preocupa els pares, preocupa algunes escoles, ha sortit pels mitjans, però és sobretot també una qüestió de qualitat, de creixement, d'aprenentatge per a la convivència, de benestar però dèiem que és, és en una altra dimensió, una condició perquè realment una escola es pugui aprendre. No es pot aprendre en un entorn disruptiu, no es pot aprendre, no podrà aprendre alumnes emocionalment afectats. Quines formes té, quines dimensions, quin tractament, com afecta alguns centres? Sobrereaccionem a vegades oportunistament no? en els seus símptomes ocasionals que pateixen alumnes, que poden patir els, els professionals de l'educació, que ens plantegem si el mestre de ser autoritat pública, si hem de fer més disciplines, o abordem el tema com una part, anem dir, de la construcció d'una escola amb modalitats de prevenció, d'autoritat, de benestar adequades, anem a dir, avui, a la societat d'avui i al seu context. Per això agraïm enormement a Eric de Barbier és professor de Ciències de l'Educació a la Universitat Paris-Est Cretiel, a París 12, president de l'Observatori Internacional de Violència a l'Escola, ha estat director de recerca i d'avaluació amb la UNESCO i també a la Universitat de, de Bordeu. Ja en el web de debats, com sempre, trobareu la bibliografia i les referències de, de cada ponent, però sí que citaré alguns dels títols dels seus articles i llibres. Els 10 comandaments de la lluita contra la violència a l'escola, resiliència social i violència, estudis comparatius empírics França, Àfrica i Brasil, violència juvenil i capital social, la violència a l'escola, especific especificitats, causes i tractament. I amb això us deixem amb el professor Eric. Benvingut. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, d'habitude, je commence une conférence en, en disant que je préfère faire les conférences debout, euh, de façon à ce que le fond de la salle puisse voir. Mais là, avec la caméra et puis quand même pas de micro, je vais devoir, devoir être assis. Alors, ça me remplit de tristesse, parce que euh, une recherche a montré que euh, si on passe plus de quelques heures assis euh, dans la journée, on augmente son risque de mortalité. Donc généralement, je dis aux gens, ben moi vous voyez, je suis debout, donc je vais vivre plus longtemps que vous, tandis que vous, vous êtes à risque en étant trop assis. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi à se rappeler quand on se dit que les élèves doivent être assis très souvent dans la classe et qu'ils ont besoin de mouvement et nous aussi. Bon, euh, donc je vais vous parler d'amélioration du climat scolaire. Alors c'était un. À une longue négociation que ce titre, Amélioration du climat scolaire, avec donc la puissance invitante euh, ici, qui disait, bon écoutez, euh, enfin écoutez, monsieur de Barbieu, parce qu'ils sont très polis, euh, vous, euh, vous êtes un spécialiste de la violence à l'école, mais ici, en Espagne, on n'en parle pas trop de la violence à l'école. Il faudrait quelque chose de plus... Alors, ils ne me l'ont pas dit, mais moi, je l'ai vécu comme ça, politiquement correct. Hein Et euh, je suis vache. Hein. Bon, mais euh, je vois qu'elle rigole quand même. Bon, et euh, donc, on a parlé du climat scolaire. Alors, effectivement, je vais essayer de, de vous expliquer un petit peu le résultat de certaines recherches, faire une certaine synthèse sur ce que c'est que le climat scolaire, ses conséquences par rapport aux apprentissages. Mais bien sûr, je parlerai beaucoup de ses conséquences par rapport à la violence à l'école, qui est donc la, la spécificité de mes recherches. Je travaille sur ces questions de violence à l'école depuis maintenant. Ça ne nous rajeunit pas, mais quasiment 40 ans. Enfin, on va dire 30, allez. Euh, et euh, d'abord parce que j'étais enseignant. J'étais enseignant avec des classes spécialisées très difficiles. Il y avait des élèves donc, qui étaient euh, euh, donc euh, fortement perturbés et perturbateurs. Et je me suis toujours demandé comment on pouvait faire. Euh, depuis euh, cette époque, j'ai euh, donc travaillé beaucoup en France, mais aussi à l'étranger. Euh, entre autres en Espagne, d'ailleurs avec euh, quelqu'un que certains d'entre vous ont certainement lu, euh, bon Rosario Ortega, par exemple de, de, de Séville et Cordoue, euh, mais bon aussi avec Marie José Comelas, qui est ici. Euh, et j'ai beaucoup travaillé au Brésil, j'ai beaucoup travaillé dans d'autres pays européens ou très récemment en Afrique. Donc ça va s'appuyer un petit peu sur toutes ces recherches. Ou pour moi, ce qui compte très souvent, et je vous en parlerai beaucoup, c'est le point de vue des victimes. Ouais le point de vue de ceux qui sont les principales victimes de la violence à l'école, c'est-à-dire les élèves. Je parlerai quand même des victimes adultes. Je parlerai quand même de la difficulté à enseigner qu'on peut avoir dans un milieu qui est dégradé, dans un climat scolaire qui est propice à la violence. Mais euh, je rappelle souvent une, une parole d'un auteur américain, qui est Geoffrey Canada, qui dit que les meilleurs experts en violence sont les élèves, parce que ce sont eux qui savent. Où est-ce que dans un établissement il faut aller ou ne pas aller si on veut ne pas être victime ou si on veut ne pas se faire euh, attraper par le personnel Alors, je remercie beaucoup les organisateurs d'avoir traduit le, le PowerPoint que j'ai fait pour cette euh, séance. Je ne vais pas lire le PowerPoint. Hein. C'est-à-dire que ce sont des, des, euh, des repères, simplement, que je défilerai. Qui vous permettront aussi, parce que je sais que c'est quelquefois assez ennuyeux de suivre une conférence avec la traduction, hein, et euh, donc de euh, vous réveiller quand on changera de diapositive. Euh, le PowerPoint sera bien sûr à disposition, et je sais que je dois faire un, un papier, donc à partir de cette conférence qui sera publiée ensuite par euh, donc la, la fondation. Alors, je vais donc vous parler de climat scolaire. Le climat scolaire, je l'entends au sens large. C'est-à-dire que bien souvent, euh, on entend par climat scolaire, au sens de l'OCDE en particulier d'ailleurs, euh, quelque chose qui est plutôt de l'ordre du climat organisationnel. C'est plutôt de l'ordre de ce qui est, euh, bon, on dira le, le type de management du chef d'établissement, par exemple, hein, et euh, ce qui est euh, plutôt en dehors de la classe. Bon, moi, j'ai une, 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 une position qui est plus large. Hein. Pour moi, un climat scolaire, et je reprends Janos, qui est un auteur et un de mes amis donc, qui enseigne à Montréal, qui est un climat qui inclut beaucoup plus de dimensions que la simple dimension du management. Qui inclut, par exemple, la relation pédagogique au sein de la classe qui inclut le sentiment de justice dans un établissement scolaire. Bon. Vous verrez ce sentiment de justice à quel point il est très important comme facteur explicatif ou non, donc, de la victimation. Voilà, victimation, victimization, euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent exactement en catalan, mais euh, donc euh, c'est de ça dont je parlerai. Donc quelque chose de plus large. Euh, c'est vrai que euh, même si euh, on parle donc de ça au au, d'un niveau plus large, il y a aussi un certain nombre de définitions sur le climat orga organisationnel, où l'idée, c'est vraiment quelque chose qui fait... Euh, oui, qui fait l'ambiance, tout simplement, le climat, hein, c'est ça, d'un établissement, et qui va avoir ou non, et le principe de cette conférence même, ça va être de savoir jusqu'où l'ambiance d'un établissement explique ou non un certain nombre de phénomènes, donc qui va affecter les élèves, mais aussi, pourquoi pas, les enseignants ou les personnels, ou pourquoi pas d'ailleurs aussi les parents d'élèves. Pour moi, donc, par climat scolaire, j'entends une série d'effets. Un effet euh, donc qui est lié à l'établissement lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'un établissement a des résultats différents à cause de sa culture d'établissement qu'un autre établissement. L'effet de la classe, est-ce que le fait d'être dans telle ou telle classe a une importance sur les performances des élèves ou sur la victimisation? Et l'effet qui est lié à l'enseignant lui-même, est-ce qu'il y a des styles pédagogiques par exemple qui réussissent mieux ou moins bien que d'autres? Donc c'est un petit peu de tout ça dont je veux vous parler à partir donc de deux questions fondamentales. La première question est eh bien une question donc qui ne porte pas sur mes propres recherches mais qu'évidemment j'ai euh, travaillé, j'ai travaillé aussi entre autres comme vous voyez je le cite euh, à partir de travaux de l'OCDE qui ont été menés là-dessus euh, sur euh, donc euh, l'aspect de la performance des apprentissages, de la performance académique des élèves est-ce qu'effectivement, et c'est une question fondamentale, on sait, on sait, que les données socio-économiques expliquent fortement une baisse des performances scolaires, pour des raisons qui sont liées à la coupure entre l'école. Et les classes sociales les plus populaires. Ça peut être une première raison si on est bourdieusien, je, disais, je dirais, Bon, si on, on pense à cette coupure, ou qui peut être lié au fait que des parents d'élèves de milieux plus populaires, qui eux-mêmes n'ont pas suivi l'école de manière suffisante, sont incapables d'élever leurs enfants. Donc la première question, c'est que, est-ce qu'effectivement, malgré ces données socio-économiques défavorables, il y a des établissements qui réussissent à promouvoir l'égalité des chances, qui réussissent à rehausser les niveaux de performance. C'est une question de sens du métier. Je vous parlerai beaucoup du sens du métier, je vous parlerai beaucoup de valeur aussi. Est-ce que notre métier d'enseignant sert à quelque chose Parce que c'est ça, au fond, qui est en question. Est-ce que la donnée sociale est tellement lourde, et particulièrement en période de crise comme maintenant, et je sais qu'en Espagne, comme en France, vous vivez la crise actuelle de plein fouet sur le plan socio-économique. Je sais à quel point le, le chômage est en, est en hausse. Bon, est-ce que, malgré tout, on peut garder l'espoir sur le plan, donc, simplement des apprentissages La deuxième question, bien sûr, c'est une question qui est liée à ce qui touche à mes travaux la sécurité dans les écoles. Est-ce que le climat scolaire, est-ce que la manière dont un établissement est organisé, est-ce que la manière dont les relations avec les enseignants. Par exemple, se développent, peuvent protéger les élèves ou au contraire empirer la situation. Ou on peut le dire, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'établissement scolaire lui-même Ça a l'air bête comme question, mais là aussi c'est fondamental. Si l'établissement scolaire n'est responsable de rien, on ne peut rien faire. J'espère trouver des responsabilités à l'école, parce que s'il n'y en a pas, l'école est impuissante. Et on ne peut plus croire en l'éducation. J'espère aussi trouver, bien sûr, quels sont les facteurs de protection dans un établissement scolaire qui font que les enfants, les enseignants, les personnels, seront plus en sécurité dans cet établissement scolaire, malgré la donne socio-économique. C'est vrai que c'est aussi un problème politique. Est-ce que pour lutter contre la violence à l'école, il faut attendre la révolution prolétarienne Est-ce que pour lutter contre la violence à l'école, il faut attendre des changements politiques globaux Ou est-ce qu'effectivement les établissements font la différence Et jusqu'où donc, deux parties fondamentales, de deux parties. la partie qui va bien sûr parler de la question, donc de l'effet sur les apprentissages, donc du climat scolaire. la deuxième partie portera de l'effet sur la sécurité dans les écoles. et je terminerai bien sûr la conférence sur ensemble deux. Je dirais de stratégie, de conseils possibles, en sachant que, évidemment, tout ça, en l'espace de trois quarts d'heure à peu près, c'est impossible à faire. Mais il y aura un débat, vous pourrez poser des questions, et sur les questions, on peut peut-être être un petit peu moins généraliste, on peut donner plus d'exemples, on peut donner plus de programmes, bien sûr. Donc l'effet sur les apprentissages. L'OCDE et l'enquête PISA, a travaillé sur euh, donc cette question de euh, l'effet du climat scolaire sur les apprentissages. L'enquête PISA, euh, elle est limitée là-dessus, il faut le dire, hein, puisque les euh, recherches ont porté essentiellement sur la déclaration des chefs d'établissement et des élèves sur deux ou trois questions. L'OCDE, ce n'est pas une vacherie par rapport à l'OCDE, le l'OCDE le a fait un super boulot là-dessus, mais simplement on ne peut pas tout attendre, on ne peut pas tout savoir à partir de ça. Mais il n'empêche que si on compare, donc, euh, à partir de l'enquête PISA, donc, euh, là, les résultats des établissements, donc là, vous, vous pouvez le lire, euh, oui, et c'est le rapport de l'OCDE de 2008 qui le dit, l'école peut vraiment faire la différence, c'est-à-dire que les performances des élèves sont effectivement des performances différenciées, quel que soit le milieu social. Si on a le même milieu social, il y a quand même un un effet de l'établissement qui est important. L'OCDE, donc, dans ce rapport, identifie un certain nombre de choses, des choses tout à fait classiques. C'est les performances sont supérieures si la discipline réelle, si les élèves ont bon moral et se sentent engagés. Alors, ça aussi, ça a l'air assez banal. Bon, après tout, c'est quand même assez normal que dans notre école, il y ait un certain ordre si on veut que les enfants étudient. D'accord. Ça permet de se dire que la solution, ce n'est peut-être pas l'anarchie pédagogique. Bon. Mais on pourrait retirer de ça l'idée un peu, bon, la discipline, la discipline et rien d'autre. Mais ce n'est pas ce que dit le rapport de l'OCDE. Le rapport de l'OCDE le dit clairement, si les élèves ont bon moral et se sentent engagés. C'est-à-dire que au delà de la discipline pour la discipline, il y a aussi, et j'y insisterai beaucoup, L'idée de l'importance de l'appartenance des enfants à leur établissement scolaire, l'idée d'une discipline qui soit une discipline coopérative, où les droits des enfants, les droits des apprenants sont reconnus. Un vieux pédagogue français, disparu depuis quelques années, même assez longtemps, qui était Célestin Frané, parlait de discipline coopérative. C'est-à-dire l'idée que la coopération, donner la parole aux élèves, ce n'est pas forcément l'adulte qui la perd. C'est au contraire quelque chose d'extrêmement exigeant, on y reviendra. En même temps, le rapport de l'OCDE nous dit quelque chose, c'est que effectivement, la part du climat scolaire, c'est-à-dire uniquement, encore une fois, cette part très restreinte de l'étude de l'OCDE, c'est-à-dire plutôt la part de l'organisation scolaire au niveau, en particulier, du chef d'établissement, par exemple, et pas ce qui se passe dans les classes, explique une partie seulement de la différence de performance, une partie seulement. Mais que si on combine cet effet établissement avec les données socio-économiques, on a là quelque chose qui est beaucoup plus important. Ça veut dire simplement que il y a des établissements de milieu social défavorisés qui vont beaucoup mieux réussir qu'on ne l'attendait. Ici, je vous ai sorti les chiffres qui sont en Espagne, par exemple. 29% de l'effet en Espagne, 49% en Belgique. 29% de l'effet... Allez, on va essayer de faire image. Dites-vous que c'est à peu près le tiers. Si vous avez un enfant qui a 10 sur 20 de moyenne, 29% de l'effet, il a plus de 15 de moyenne. Donc ça n'est pas rien. C'est quelque chose d'important. Ça paraît peu. Ça veut dire que 70% de ces performances ne sont pas expliquées par l'école et l'école dans les milieux populaires, par exemple. Mais ça veut quand même dire que l'école fait quelque chose et qui n'est pas donc aussi faible qu'on l'imagine. En fait, les recherches, et pas simplement celles de l'OCDE, cette fois-ci, je vais un petit peu plus loin, montrent que... Au-delà de cet effet donc uniquement lié à l'ordre, je dirais, de l'établissement lui-même, ce sont plutôt les unités incluses dans l'établissement, c'est-à-dire l'effet classe, l'effet établissement, qui montrent l'importance donc de la différence des résultats scolaires. En particulier, donc, euh, on peut se dire que euh, c'est de 12 à 30 d'explication à peu près, et 2 à 15 pour les écoles. En moyenne, effet cumulé 30 et ici, sans compter sur les euh, données socio-économiques. Ça veut dire en gros que, bien sûr, ça peut paraître désespérant de se dire qu'il y a 70% sur lesquels nous, enseignants, on ne peut pas agir. Mais oui, mais il y a 30% sur lesquels on peut agir, ça n'est pas rien. Donc on n'est ni dans la toute-puissance, ni dans l'impuissance. Le boulot de chef d'établissement, le boulot d'enseignant, est un boulot qui sert à quelque chose. C'est bête. Mais ça fait du bien de le dire. Et ça fait du bien de l'entendre. Ça veut dire qu'on n'est pas impuissant. Ici, sur les apprentissages. Les recherches sur l'école efficace, qui sont une, une grande tendance de la, de la recherche mondiale, ont montré un certain nombre de choses extrêmement connues maintenant, qui sont assez admises, mais qui sont des conditions ou des caractéristiques qui sont retrouvées dans les écoles donc, qui apprennent mieux. Encore une fois, ici il s'agit de l'apprentissage, il ne s'agit pas donc de ce que je parlerai après de la violence à l'école, mais donc euh, qui euh, apprennent mieux et en particulier donc d'abord le leadership efficace, l'attitude ferme et approche participative de la part du directeur. Un chef d'établissement ferme qui n'aurait pas d'approche participative serait un mauvais chef d'établissement. Bon. Très clairement, ce sont les deux en même temps. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir la différence quand on fait de la pédagogie comparée entre justement la France et l'Espagne. Nous en France, on a des chefs d'établissement qui sont nommés par le haut, totalement par le haut. Hein il n'y a aucune nomination qui est faite par la communauté scolaire, il n'y a aucune élection. On est dans un modèle totalement pyramidal. Le ministre, le recteur, l'inspecteur, le chef d'établissement. Ce qui a, bien sûr, quelquefois de bons effets, parce qu'on peut se dire, si quelque chose est décrété comme réforme nationale, ça va redescendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de l'illusion totale. On attend que le ministre change. Et on sera là quand lui sera plus là. Bon. Mais c'est aussi, évidemment, le risque du caporalisme. Le risque d'un chef d'établissement qui soit, du coup, un peu vécu comme, comme le petit empereur dans son établissement scolaire. La plupart des chefs d'établissement français ne sont pas comme ça. Mais le risque existe. Alors bien sûr, on peut se dire aussi, ce que diraient nos chefs d'établissement français, oui, mais être élu, c'est tous les risques de la démagogie. C'est deux modèles complètement différents. Hein. Mais il n'empêche que la caporalisation paraîtrait quand même quelque chose d'assez négatif. Deuxième chose, l'efficacité des enseignants, bien sûr. Un système éducatif ne peut pas être, être supérieur à la qualité de son maillon principal qui est l'enseignant dans sa classe. Ce qui bien sûr veut dire à quel point la formation des enseignants est fondamentale. L'accent mis sur l'apprentissage. Bon. On peut très bien être quelqu'un comme moi, je suis issu des pédagogies nouvelles en sachant que une pédagogie nouvelle en classe est quand même faite pour apprendre quelque chose et que l'accent sur l'apprentissage est important. On n'est pas dans des maisons de jeunes. J'ai rien contre, j'ai été éducateur spécialisé avant d'être enseignant. Mais ce n'est pas le même boulot. Une culture scolaire positive, c'est-à-dire une culture scolaire qui n'est pas faite contre un certain nombre d'élèves. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai fait une étude sur des établissements très favorisés du centre de Bordeaux, très favorisés, qui avaient une culture d'établissement extraordinaire. Les gens, ils étaient... vraiment soudés. Donc on peut dire c'est formidable. Oui, mais ils étaient soudés contre les, le noyau d'une vingtaine d'élèves qui venaient d'un quartier un peu plus difficile, mais qu'ils étaient obligés d'accepter de, pour des raisons de ce qu'on appelle en France la carte scolaire, et qui du coup faisaient que ces 20 élèves étaient tous les 20 interdits de bibliothèque. Tous les 20 cumuler 80% des retenues de l'établissement scolaire. On avait une culture d'établissement, certes, mais négative. Des attentes élevées envers les comportements et les résultats des élèves, des droits et des responsabilités pour les élèves, voyez, leadership efficace, accent sur l'apprentissage, mais attentes élevées envers les comportements, mais aussi droits et responsabilités pour les élèves. Il n'y a pas d'opposition pour les chercheurs, entre le fait d'avoir un enseignement efficace, qui peut être strict, mais des droits et des responsabilités pour les élèves, avec une évaluation régulière du progrès à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire une évaluation sommative pour laquelle on dit, toi, tu as eu 5, tu as eu 0, tu es un mauvais élève. Non, c'est une évaluation évidemment positive. Le développement du personnel de l'école, la formation, je dirais, du personnel de l'école, et bien sûr l'implication parentale. Donc, et c'est une synthèse canadienne qui le dit, la discipline, la justice, le désir de réussir, le fait de faire confiance aux élèves se retrouvent autant dans les établissements efficaces que chez les enseignants efficaces. Donc, sur ce point où je vais assez vite, on peut dire très simplement que la recherche démontre que le climat scolaire a une relation significative avec les résultats scolaires, même si tout n'est pas expliqué par le climat scolaire. Donc, si je vais pas maintenant surtout parler des questions de violence à l'école, je crois que c'est important. Alors, c'est peut-être moins fort en Espagne, je ne sais pas. Je ne connais pas assez, même si j'ai souvent travaillé en Espagne, si c'était le même débat qu'en France, je ne pense pas qu'il soit aussi euh, hystérique qu'en France. Bon. En France, en gros, on vous dit, si vous travaillez sur les questions de pédagogie, si vous travaillez sur les questions de climat scolaire, vous êtes contre les apprentissages. Vous êtes contre le savoir. Vous êtes contre la transmission des savoirs. On a en France un courant très fort, qui a d'ailleurs eu le pouvoir concrètement depuis un certain nombre d'années, qu'on appelle l'antipédagogie, qui pense qu'être pédagogue, c'est forcément être laxiste, qui pense que vouloir faire autre chose que la simple transmission verticale, c'est être ennemi du savoir. Alors, ces recherches diverses, l'OCDE bien sûr, mais aussi des recherches universitaires je ne peux pas toutes vous les citer, mais ce chiffre en dizaines montre au contraire que climat scolaire, amélioration du climat scolaire et transmission des savoirs, ça va ensemble. donc c'est une première réponse au pourquoi travailler sur le climat scolaire. deuxième chose, climat scolaire est donc victimation. alors, d'abord quelques petites choses. quand on parle de violence à l'école, et les journalistes qui m'ont interviewé tout à l'heure ont tous démarré par ça. C'est pour, pour autant pas des mauvais journalistes, c'est pas une critique vis-à-vis d'eux, mais c'est cette idée de la violence à l'école qui vient de l'extérieur. Une violence à l'école qui est une violence des faits divers. Une violence à l'école qui est une violence d'intrusion. Les barbares qui rentreraient dans l'école. Alors vous imaginez bien, dans le débat politique français actuellement, qui est particulièrement glauque, à quel point c'est important ce type de représentation. C'est l'idée que. L'école doit être un lieu sacré, replié sur lui-même, et que si cette école est repliée, protégée, y compris avec des moyens techniques du genre vidéoprotection, par exemple, hein, on n'aura plus de problème de violence à l'école. Bon. Ça, c'est une première évidence. Or, désolé, mais la violence à l'école, d'abord, ça vient de l'intérieur. Ce sont des élèves sur des élèves. Les enquêtes de victimisation que j'ai pu faire en France et ailleurs, montre très clairement que si un élève se fait taper dessus, c'est d'abord par un autre élève. Si un élève se fait injurier, c'est d'abord par un autre élève. Si un professeur se fait insulter, c'est d'abord par des élèves. Et y compris les faits les plus graves, 95% des faits les plus graves viennent d'élèves à l'intérieur de l'établissement scolaire et parfois d'adultes de l'établissement scolaire. Donc l'idée déjà que euh, la violence à l'école sera réglé uniquement par une approche externalisée, par une approche par exemple de policiers autour de l'établissement scolaire. Et je pense qu'il faut travailler avec la police, bien sûr, et je travaille personnellement avec la police souvent, mais c'est quand même une illusion. La première fausse évidence, c'est ça. La violence à l'école n'est pas une violence de l'extérieur, c'est une violence qui vient de l'intérieur. Et du coup, bien entendu, la question du climat scolaire va être fondamentale. Deuxième chose, que la violence à l'école, ce sont des faits un peu exceptionnels. Ceux dont on parle dans la presse. Vous savez, euh, Columbine, hein, ou euh, les, euh, le massacre de Virginia Tech, par exemple, aux États-Unis, qui avait fait euh, donc, 33 morts sur un campus. Bon. Et quand on parle de violence à l'école, dans la presse, souvent c'est ça. On parle de ces faits qui sont totalement exceptionnels. Or, c'est une approche complètement obsolète. Bon. Bien sûr. Ce sont des faits dramatiques. Et c'est normal d'en faire des événements dramatiques. Mais il faut rappeler certaines choses très simples. Un, le nombre de morts, par exemple, à l'école, n'est pas dans l'augmentation qu'on imagine. Par exemple, aux États-Unis, il y avait plus de morts dans les écoles en 1991 qu'il y en a maintenant. On est passé d'une moyenne de 70 morts à à peu près 24 ou 25 morts. C'est 24 ou 25 morts de trop. Mais ça ne justifie pas l'idée qu'il faille mettre devant chaque établissement un détecteur de métaux. D'ailleurs, aux États-Unis, très rares sont les établissements scolaires qui ont des détecteurs de métaux. Et la plupart du temps, ce sont des établissements privés. Et c'est un argument de vente pour les parents. Il faut s'en rappeler de ça. Bon. Donc, de ce côté-là, méfions-nous de voir la violence à l'école uniquement par le biais de cette violence létale. Il y a beaucoup d'exagérations, beaucoup de. Manipulation là derrière aussi, d'ailleurs, bon, j'en ai connu quelques-unes, y compris au Brésil par exemple, où il fallait dire absolument qu'il y avait une violence épouvantable dans les écoles, ce que notre recherche montrait que ce n'était pas du tout le cas, c'était au contraire un lieu beaucoup plus protégé que l'extérieur, y compris dans les favelles où, où, où je travaillais, mais qui a amené sur par exemple certains programmes de lutte contre la violence à l'école. Moi j'ai mis à jour à l'époque, ça, ça, ça a failli me coûter la vie pour tout vous dire, donc un détournement de près de 3 milliards d'euros. Sur des programmes donc de lutte contre la violence à l'école. Bon, au sein de l'UNESCO d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est vraiment se méfier. Parce que la violence à l'école, c'est pas ça. La violence à l'école, ce sont des tout petits faits, mais des tout petits faits répétés. Ce qu'on appelle le bullying, bien souvent, mais c'est un peu plus large pour moi que ça. Mais des faits qui, euh, qui sont ordinaires, pour la plupart. Qu'un enfant se batte dans une cour de récréation, ça c'est toujours arrivé. Hein Qu'un enfant, à un moment, euh, donc, se mette à injurier son professeur, ce n'est pas bien. C'est normal qu'il soit puni, mais de là à dire que c'est un futur euh, violeur en série, euh, il y a loin. Hein. Oui, le seul problème, c'est qu'on sait que quand ces petits faits se répètent, et se répètent sur une proportion d'élèves en particulier restreinte, il y a des conséquences qui sont maintenant extrêmement connus et que je vais évoquer maintenant. En gros, on sait dans la recherche mondiale, et c'est intéressant quand un chercheur ose dire on sait, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher, on peut vous dire, oui, on sait, on sait combien il y a d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Une recherche que j'ai faite en France auprès de 12 000 élèves, donc un échantillon national des écoles primaires, a montré que c'était un enfant sur dix qui était victime de harcèlement dont la moitié, c'est-à-dire 5% des enfants, de harcèlement très sévère. Une recherche qui a été faite l'année dernière en collège a montré les mêmes proportions. La recherche mondiale montre que c'est entre 6 et 15% à peu près, si on est sérieux, d'élèves qui sont victimes de ce type de choses. Je viens de faire une enquête au Mali ou au Burkina Faso, je trouve 17% des élèves, hein, pour des raisons qui sont un peu différentes. Bon. Donc c'est pas... une minorité. On a dans la plupart des échantillons qu'on fait, la majorité... 8 à, 10 sur 10, 8 à 9 élèves sur 10 pardon, qui nous disent qu'ils sont parfaitement heureux dans les écoles, y compris dans les écoles les plus difficiles, y compris dans les quartiers sensibles, y compris pour ceux qui connaissent un peu la France, par exemple en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus stigmatisé, celui où je travaille. Bon. Et euh, la plupart des élèves sont heureux. C'est pour ça que j'avais fait un rapport pour l'UNICEF qui s'appelait À l'école des enfants heureux, enfin presque. Et ce enfin presque, c'est un enfant sur 10. Et les conséquences, elles sont super connues. Conséquence de la violence scolaire, conséquence en termes donc d'abord académiques, décrochage scolaire. Absentéisme. On ne dit pas assez qu'environ 20 à 25% des enfants qui sont absentéistes chroniques, qui ne vont plus du tout à l'école, n'y vont plus par peur de la violence et du harcèlement. C'est-à-dire que si on veut traiter l'absentéisme, il faut traiter cette question-là. Échec scolaire, abandon scolaire, mais aussi chez les très bons élèves. Le fait d'être un bon élève dans certains endroits est négatif, parce que la pression du groupe, la pression à la conformité du groupe, fait qu'être un bon élève, c'est se placer en dehors du groupe. L'enquête qu'on vient de réaliser en France sur les élèves de collège a montré que 29%, 29%, des enfants disaient qu'on se moquait d'eux, qu'on les mettait à l'écart parce qu'ils étaient bons élèves. Alors quand on est enseignant, ça pose quand même des problèmes. On peut se dire, bon, la violence à l'école, allez. C'est pour les autres. Ben non, c'est pour tous les élèves. L'enquête qu'on a faite sur le harcèlement montre que ça se passe aussi bien dans des milieux très favorisés, quelquefois même de manière privilégiée, que dans des milieux défavorisés. Et c'est particulièrement vrai maintenant avec le cyberharcèlement, avec l'utilisation de Facebook, avec l'utilisation des SMS. Toutes ces choses-là sont très importantes. Moi, je suis un intellectuel. Ça me choque quand j'entends, alors je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais que la principale injure dans les cours de récréation en France, c'est devenu un télo. Ça me gêne. Est-ce que je dois former des enfants qui doivent être des petits machos? Qui pensent que le savoir, c'est mauvais. Est-ce que je fais mon boulot si je ne m'attaque pas à ça Le refus de la différence, il touche aussi les bons élèves. Alors, ça, c'est vrai que c'est intéressant quand on doit persuader un antipédagogue. Ils sont, bon, d'accord, ok, les autres sont mauvais, mais il se trouve que là, voilà, bon, toi, là, ces bons élèves, bah, il, y a un titre, il y a un titre très célèbre d'un livre français qui dit C'est Mozart qu'on assassine. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un coup de téléphone la semaine dernière. D'une mère de famille. Une mère de famille, donc, d'une jeune fille qui est en, en CM2, c'est-à-dire la fin du primaire. Donc, une jeune fille qui a une dizaine d'années. Bon. Qui est russe d'origine. Sa mère vit donc dans un, un quartier très défavorisé. Elle est mère monoparentale. Elle vit avec très peu d'argent. Donc, il est hors de question qu'elle s'en aille. Et sa petite fille, elle est dans une école, donc où elle est la seule Russe, hein, où elle est d'ailleurs, et il faut bien le dire, la seule jeune fille, euh, donc qui euh, donc euh, n'est pas euh, donc d'une d'une origine nord-africaine, on dira. Et imaginez bien que ce que je dis n'est absolument pas raciste, bien sûr. Elle est simplement dans une situation de minorité absolue. Et cette jeune fille est une bonne élève et c'est une excellente pianiste. D'accord Elle rentre le soir, la pianiste, ses doigts sont brûlés. D'accord Et on la surnomme la mangeuse de cochons. Bon. La mère me téléphone Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Elle est toute seule, je ne peux pas déménager, je ne peux rien faire. Bon. Elle est dans une situation épouvantable, d'autant plus épouvantable que les gamins disent à, à, à cette jeune fille, à cette petite fille Tu verras, l'année prochaine en collège, ça sera pire. Parce qu'il y aura les grands, il y aura nos cousins, il y aura tout ça. Bon. Alors, cette fille, qu'est-ce qu'elle doit faire Devenir très mauvaise élève Ne plus jouer du piano Se teindre les cheveux Vous voyez, il y, a une problème. il y a un problème de respect. Il y a un problème de valeur fondamentale à faire passer à travers ça. Les conséquences en termes de santé mentale sont très connues. Un enfant harcelé a quatre fois plus qu'un autre le risque de faire une tentative de suicide. Quatre fois. La dépression est beaucoup plus importante. La perte d'estime de soi. Et ce n'est pas simplement là tout de suite parce que j'ai un problème. C'est 40 ans après. Moi, j'ai sans arrêt des adultes qui, 40 ans, 50 ans après, viennent me dire... Voilà les conséquences sur toute ma vie. Il y a eu des suivis de corps très importants sur des dizaines d'années qui ont montré que les tendances à la dépression, au suicide ou à être maltraité dans son couple sont beaucoup plus importantes chez les enfants qui ont été donc harcelés. Les conséquences en termes de sécurité publique. Ah ouais, pourquoi travailler sur le climat scolaire Ça fait quand même pas mal de cas de raison. Les conséquences en termes de sécurité publique. Les school shooters, les personnes qui ont tiré dans les écoles, d'après une recherche du FBI, 75% des school shooters ont été harcelés. C'est donc un phénomène très fortement corrélé au harcèlement. Les enfants qui sont harceleurs, il y a eu un très beau suivi qui a été fait par David Farrington, c'est le patron de la criminologie à Cambridge, qui a suivi 420... Enfants pendant 40 ans. À la fin, ce plus des enfants. Et qui a montré, donc c'est quelque chose qui est paru l'année dernière, que ces personnes, 40 ans après, étaient beaucoup plus que d'autres au chômage, beaucoup plus que d'autres quand ils avaient un travail, avec un travail très mal payé et sans responsabilité, beaucoup plus que d'autres étaient des maltraitants en couple, et beaucoup plus que d'autres, ils étaient délinquants avec des problèmes avec la justice. Bon. Donc ce qui me fait dire souvent, c'est que la violence à l'école, c'est perdant, perdant. Il n'y a pas de gagnant. Les agresseurs sont aussi perdants que les agressés. L'idée de se dire, ça c'est très français aussi, on n'a pas le droit de parler de changer les comportements. C'est quasiment du fascisme en France de dire, bah, il faut que cet enfant change de comportement. Non. On doit, c'est notre boulot, de le faire changer de comportement. C'est inadmissible pour les autres, mais c'est inadmissible pour lui. La loi du plus fort, c'est une loi dérisoire. C'est une loi qui n'a pas de gagnant. C'est une loi où tout le monde perd. Alors évidemment, à la violence à l'école, au harcèlement, il n'y a pas qu'une seule cause. Électoralement, en France, il y a 50 ans, de ça, on nous avait dit la violence à l'école, la délinquance, c'est à cause de mai 68. C'était un argument électoral, réellement. Bon. Ce sont des conversations de café du commerce. Tous les chercheurs un peu sérieux savent que c'est une combinaison de facteurs de risque. Et que dans cette combinaison de facteurs de risque, il y en a beaucoup qui peuvent être des facteurs de risque personnels par exemple hyperactivité, qui peuvent être des facteurs de risque familiaux. Bon, le fait, par exemple, d'avoir une famille trop autoritariste est le principal facteur de risque, surtout quand ça s'accompagne de châtiments corporels. On nous dit toujours que le facteur de risque principal, c'est l'enfant roi. C'en est, un. Hein Mais l'autoritarisme excessif en est encore plus. Bon. Ou le facteur de risque qui est, vous savez, ces enfants à qui, euh, au supermarché, allez, Ouais, tu veux le nouveau Playmobil, mon chéri Tiens, tu peux l'avoir. Et puis on rentre à la maison. Et puis il joue avec les Playmobil, tout excité. Et il se prend une baffe parce qu'il a fait trop de bruit. Et dans vos classes, vous avez certainement des enfants comme ça. Vous savez, ceux qui testent sans arrêt. C'est qui le réadulte Le gentil ou le méchant Et comme c'est la même personne, c'est difficile. Des facteurs de risque qui peuvent être des facteurs de risque socio-économiques, mais qui n'expliquent pas tout, ceci dit, ils sont réels, et bien sûr des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque scolaires. Actuellement, une des grandes tendances de la recherche, c'est d'aller travailler sur les facteurs de risque scolaires. Non pas pour dire, comme d'habitude, c'est la faute à l'école, c'est la faute aux enseignants. Ils ont heureusement des responsabilités pour le meilleur la plupart du temps, et quelquefois pour le pire. En particulier, voilà une preuve très bête de l'effet établissement, c'est-à-dire que l'effet qu'un qu établissement peut avoir sur la violence à l'école. Vous avez ici deux colonnes, une colonne qui montre le taux de victimes de raquettes, une colonne qui montre le taux d'agresseurs. L'échantillon sur lequel je l'ai fait est un échantillon d'établissements en France qui ont tous la même donne socio-économique. Ce sont tous des établissements dans des quartiers très difficiles, très sensibles, avec le même effectif, entourés du même type d'habitat social, ce qui veut dire qu'ils devraient tous avoir les mêmes résultats. On devrait avoir le même taux d'élèves victimes, le même taux d'élèves agresseurs partout, s'il n'y avait que la donne socio-économique qui l'expliquait. Or, comme vous le voyez, c'est très différent. L'établissement qui a le moins de victimes en a 3,9%. l'établissement qui en a le plus 15,3% plus de quatre fois plus. donc c'est une différence considérable mais c'est vrai aussi par rapport au nombre d'agresseurs taux le plus faible 4,5 taux le plus élevé 15,8%. Ici c'est très intéressant de savoir ce qui s'est passé. L'établissement qui a le plus de victimes et le plus d'agresseurs, par exemple en 15,3%, vous, vous rendez compte Bon, l'extorsion, c'est pas rien. Là, on est dans la délinquance. On n'est pas simplement dans une petite violence. Hein. L'établissement qui a le plus de victimes et le plus d'agresseurs est un établissement qui euh, a euh, cette particularité d'avoir poussé jusqu'au bout une logique de la ségrégation interne à l'établissement des élèves les plus difficiles. C'est-à-dire que pour gérer l'hétérogénéité, pour gérer la difficulté d'avoir des élèves différents, eh bien, on a mis les élèves les plus durs à chaque niveau, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, dans une classe particulière, une classe à option. Là, en l'occurrence, c'est une option football. Et les élèves les meilleurs, on les a mis dans une classe à option allemand. Bon, c'est évidemment pas neutre hein, socialement. Le problème qui se passait, c'est que c'était tellement caricatural qu'on avait des classes où il n'y avait que des enfants d'origine maghrébine et que des garçons, qui du coup vivaient ça, bien sûr, comme du racisme, comme une ségrégation beaucoup trop importante. Nous, quand on a fait l'enquête à la demande de l'établissement, on leur a dit, écoutez, là non, vous allez dans le mur. Oui, mais enfin, vous comprenez, on ne peut pas, etc. Et puis, ça remettait en cause des situations assises. Parce qu'évidemment, les classes les plus difficiles, qui est-ce qui les avait Les jeunes enseignants, qui débarquaient, et qui généralement débarquaient de province, d'ailleurs. Bon. Et du coup, c'était effectivement assez épouvantable comme ambiance. Et bien, ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire, c'est qu'il euh, y a eu un phénomène tout à fait incroyable. Un gosse, donc, de la classe à option allemand, qui s'est fait casser la figure par huit gosses de la classe à option foot. Avec quoi Ce qu'on appelle le bonnet. C'est-à-dire qu'il y a un bonnet qu'on enfonce sur la tête et puis on tape sur le bonnet. L'enfant a eu un mois d'hôpital. Alors évidemment, les huit élèves n'ont aucune excuse. Il n'y a aucune excuse, mais il y a des explications. Et parmi les explications, n'importe quel criminologue de base vous dira, plus vous mettez ensemble des enfants difficiles, plus vous augmentez leur capacité à faire une bande. Les huit ont évidemment été virés de l'établissement. Il y en a la moitié que les parents ont renvoyé au Bled, et ça a été catastrophique pour eux. Et l'autre moitié qui a tout simplement fait bande avec les dealers d'un quartier qui était difficile. Donc ce qui s'est passé en l'occurrence, c'est un effet établissement qui est aussi un effet classe. Parce que moi je ne crois pas à l'effet classe tout seul. L'effet classe, c'est la culture de l'établissement a permis que se construisent ces classes de ségrégation, et en plus, l'effet enseignant s'ajoute, puisque c'est là qu'on y met les moins expérimentés. Très honnêtement, dans cet exemple, ils ont tout faux. Il y a une très forte corrélation entre le climat scolaire et la victimation. En particulier, une très forte corrélation dans la victimation des élèves, c'est vrai. Mais dans la corrélation avec la victimation des adultes, il n'y a pas de différence. En fait, la recherche montre que le premier facteur de risque, le premier facteur de risque, qui est plus explicatif sur le plan statistique entre donc les facteurs familiaux, les facteurs personnels, les facteurs d'influence de groupe, etc., eh bien le principal facteur éducatif est d'abord lié à la qualité des équipes adultes, avant tout. C'est plus explicatif que la monoparentalité. Pour la victimisation des élèves, c'est plus explicatif que les facteurs socio-économiques. Pour la victimisation des professeurs, les facteurs socio-économiques sont plus explicatifs. C'est-à-dire que là, c'est la coupure entre la classe sociale à laquelle appartiennent les professeurs souvent et des classes sociales plus défavorisées ou des facteurs culturels, par exemple. Mais en tout cas, pour la victimisation des élèves, la solidité des équipes éducatives est plus explicative. Une des plus grandes recherches qui a été faite au monde là-dessus a été faite par une américaine, Denise Godfredson, qui a cumulé tous les résultats des enquêtes de victimisation qui sont faites aux États-Unis depuis maintenant plus de 40 ans. Ils, ont, bon, ils sont très à l'avance là-dessus. Il faut dire qu'ils n'ont pas les mêmes crédits de recherche que ceux que nous avons. Mais en attendant, elle a montré une chose tout à fait remarquable c'est que l'instabilité des équipes éducatives était le premier facteur. C'est-à-dire qu'une équipe éducative où tout le monde s'en va est une catastrophe. Alors nous, en France, on a une. Très grande particularité que fort heureusement vous n'avez pas. En France, les enseignants sont nommés au niveau national. C'est-à-dire que quelqu'un qui est formé à Bordeaux ou à Toulouse va se retrouver, à de grandes chances de se retrouver, en établissement sensible, en région parisienne, en banlieue. 33% des jeunes enseignants sont nommés en établissement sensible, en banlieue parisienne. Ou bien entendu, la moyenne d'âge est beaucoup, beaucoup moins importante. Et ce qui se passe, c'est comme c'est loin de chez eux, c'est loin de leurs amis. C'est loin de leur fiancée. Eh bien, ils s'en vont. Ils ne veulent pas rester. Et les profs, qu'est-ce qu'ils disent Les élèves, qu'est-ce qu'ils disent Vous voyez bien, vous êtes sympa, c'est vrai. Mais vous ne nous aimez pas, vous ne serez plus là l'année prochaine. Et ils n'ont pas tort. Bon. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose de, de très important, la stabilité des équipes éducatives. Et si, dans nos enquêtes comparatives, la France a de nettement moins bons résultats que l'Espagne, c'est en grande partie grâce à ça. Nettement moins bons résultats que l'Angleterre ou que l'Allemagne ou que la Belgique. On a toutes ces données-là, et eh bien c'est en grande partie grâce à ça. Ou à cause de ça, j'aurais plutôt dit. Bon. Donc c'est important, mais en même temps, la stabilité pour la stabilité, ça ne sert à rien. Ça peut même être catastrophique. Regardez l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de ces établissements favorisés. Alors il n'y a personne qui s'en va, il n'y a personne qui veut s'en aller. Mais du coup, il y a une espèce de... Comment dirais-je Vous savez, les vieux enseignants qui se font leur niche écologique. Ça arrive. Et puis bon, ben bah oui, c'est forcément eux qui vont avoir le même cours avec les mêmes classes dans la même salle pendant 10 ou 20 ans. Et moi, je connais des chefs d'établissement qui, qui sont harcelés, qui sont harcelés. Mais vous comprenez, moi, ça fait 20 ans que je fais classe dans la salle 10 avec les sixièmes A. Et cette année, monsieur le principal, vous m'avez fait, vous m'avez vu la salle bleue à 10h30 avec les sixièmes C. Vous me harcelez. Et je ne caricature pas, c'est vraiment ce type de conflit qu'il y a quelquefois dans les établissements scolaires. Bon. Donc, stabilité des équipes éducatives, oui, mais des équipes éducatives qui sont régulées. Des équipes éducatives où, effectivement, il y a un style de leadership qui est ferme et qui est coopératif. Hein où il y a effectivement un chef d'établissement, c'est vrai, mais un chef d'établissement qui est capable de ne pas être ni dans la caporalisation, ni dans la fuite. Bon, un des problèmes qu'on connaît aussi, par exemple, c'est la pression au renvoi des élèves difficiles. Un chef d'établissement qui ne résiste pas à ce type de pression renvoi, c'est difficile. Et un chef d'établissement qui risque de perdre son établissement. Bon. Je connais des établissements où le risque d'être renvoyé, par exemple, alors que c'est la même donne socio-économique, et on fois plus important que dans d'autres établissements. On fois plus. Donc évidemment, c'est des établissements où il y a beaucoup plus de difficultés. Bon. Alors c'est rétroactif. C'est aussi parce qu'il y a plus de difficultés qu'on veut renvoyer les élèves, mais c'est aussi parce qu'on renvoie les élèves qu'il y a plus de difficultés, etc. Tout ça est très compliqué. Donc, forte corrélation avec la victimisation des élèves et des adultes. Une très jolie recherche qui a été menée par Denis Geffray, qui est un auteur québécois, qui a interrogé les euh, enseignants qui arrivaient en poste pour la première fois, qui sortaient de formation, a montré que quand un jeune enseignant était réellement accueilli dans un établissement scolaire, réellement, ça ne veut pas dire simplement. Bon, voilà ton emploi du temps, ta classe, Si on ne veut plus entendre parler de toi. C'est l'équipe qui l'accueille, et qui l'accueille pendant au moins un mois. Hein Il y a une difficulté, je sais à qui je m'adresse, par exemple. Et deux fois moins victime que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces élèves sont également deux fois moins victimes que les autres. Ce qui me fait dire très simplement que le bien-être des élèves dépend du bien-être des adultes, et qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est une illusion de croire qu'on pourra régler les problèmes de violence à l'école si les enseignants, si les personnels sont mal. Donc c'est travailler les deux. C'est pour ça que je suis très intéressé par l'approche espagnole, bon, celle que j'avais étudiée avec euh, Rosario Ortega, sur la. Effectivement, on travaille la violence à l'école, non pas directement, mais par la conviviencia scolaire. Bon, ça me paraît une très bonne voie, bon, effectivement, et qui, moi, m'inspire beaucoup. Alors, les. Euh... La victimation, donc, elle est corrélée d'une manière assez incroyable. Ce que vous voyez ici, ça vous paraît un peu compliqué, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Bon. Vous avez, on dira, un axe principal, le deuxième n'a que peu d'importance, hein, une figure qui est donc autour d'un axe, l'axe 1, comme vous voyez, 88,73% de la variance, ça fait bien de le dire, où il y a des petits cercles violets, hein, de 1 à 50, de 1 à 50 à 2, etc. Plus vous allez vers la droite, plus vous êtes satisfait de la récréation, de la qualité de l'enseignement, moins vous avez peur, mieux vous êtes dans l'école, plus vous appréciez la classe, plus vous trouvez que la punition est juste, plus vous pensez qu'il y a une bonne ambiance entre élèves, plus vous pensez qu'il y a une bonne, ambiance, une bonne relation avec les enseignants. Plus vous allez vers la droite. Or, de 1 à 1,50, c'est ceux qui sont les plus victimes. De 1,50 à 2, ceux qui le sont. Un tout petit peu moins, etc. Et comme vous le voyez, même à des niveaux de basse victimation, vous avez des moins bons résultats. C'est-à-dire que travailler sur la victimation la plus lourde, c'est aussi travailler sur les victimations les plus restreintes pour tous les élèves. Bien sûr, c'est 10% d'élèves qui sont victimes à répétition et qui sont véritablement dans le plus grand danger. Bon, en réalité, 10%. De 1 à 1,50, c'est les 5% qui sont victimes de harcèlement sévère. De à 1,50 à 2, c'est ceux qui sont victimes de harcèlement sévère. Très sévère, sévère. Bon. Mais, donc il y a vraiment un, une, une corrélation maximale entre climat scolaire et victimisation, beaucoup plus importante d'ailleurs, et c'est là, où on est en train de travailler d'ailleurs avec quelqu'un qui a été à l'OCDE longtemps, Bernard Rugonier là-dessus, sur le fait que c'est plus explicatif au terme de victimisation qu'en termes d'apprentissage. C'est-à-dire que je pense qu'on va dépasser, en termes d'explication des victimations, les 30%. C'est d'autant plus important qu'une des évolutions de la violence à l'école et particulièrement dans les quartiers sensibles, mais aussi avec ce que j'appelle moi le retour des pères qui est fort lié à Internet, qui est fort lié au fait que, que vous le vouliez ou non, les gosses que vous avez dans votre famille, les gosses que vous avez dans votre classe, ils sont jamais tout seuls. Maintenant, c'est terminé la solitude de l'enfant à ce niveau-là. Vous avez un problème encore de récréation avec un autre élève, vous rentrez chez vous, à 10h du soir, vous avez 50 messages sur Facebook qui vous dites vous êtes moche, vous êtes laide, etc. Vous n'imaginez pas, mais les, les horreurs qu'on peut recevoir là-dessus, l'homophobie, la xénophobie qui traîne là-dessus. Ceci dit, Internet, c'est quelque chose de formidable, parce qu'en même temps, quelque chose qui empêche cette solitude. Mais encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est un phénomène de groupe extrêmement important. Et c'est vrai aussi que... Ce qui a été une des observations que j'ai pu faire depuis donc de la, sur la longue durée en France, en l'occurrence, c'est à quel point il y a eu une augmentation de la violence antiscolaire chez un certain nombre d'élèves. Chez des petits groupes d'élèves, hein, 8, 10 élèves, mais ça peut faire déjà des bandes, des bons groupes. Et des, bon, une enquête que j'avais faite avec l'International Safe Report Delinquency pour la France, qu'on avait en charge, a montré que 8% des collégiens faisaient partie de bandes délinquantes. 8% à l'âge du collège. C'est déjà très important. Bon. Et qu'il y avait donc une augmentation de violence de groupe contre les élèves, mais aussi contre les enseignants, mais aussi contre les institutions. Vous connaissez ça aussi. C'est-à-dire la manière dont des, des groupes vont s'attaquer aux au transports en commun, vont s'attaquer aux pompiers, vont s'attaquer aux services publics en général dans les quartiers difficiles. Et parmi ces services publics, bien sûr, l'école. Bon. Donc comment voulez-vous faire face à des phénomènes de groupe tout seul vous n'êtes pas gandhi. et gandhi n'a d'ailleurs pas empêché les massacres lors de la partition entre l'inde et le pakistan. bon, comment voulez-vous faire face à une violence qui est de plus en plus groupale et qui est par essence groupale quand il s'agit du harcèlement sans avoir une véritable vie pédagogique collective? là, j'ai mis quelques chiffres qui sont, qui sont remarquables. mais bon, il faut bien vous rendre compte que le risque d'être victime d'un racket en groupe, donc extorsion, vol en réunion, sur mineur, je vous signale que c'est en termes de code pénal quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Et donc, 115 fois plus important pour les victimes d'un harcèlement très sévère, pour les élèves non victimes de harcèlement. Moi, je dis souvent, on parle souvent des violences. Il y aurait la violence verbale, la violence symbolique, la violence institutionnelle, etc. Moi, je pense que la violence est quand même un tout pour certains élèves. Parce que quand il leur tombe quelque chose dessus, il leur tombe la totalité. Et j'ai fait une recherche, par exemple, sur les jeux dangereux. Vous savez, les jeux d'asphyxie. Ce qu'on appelle le jeu du foulard, par exemple, les gosses qui, qui s'amusent à s'étrangler et qui, donc, par non-oxygénation, y trouvent un plaisir qui peut quelquefois être mortel. On s'est rendu compte que les élèves harcelés étaient 33 fois plus soumis à ces jeux dangereux que les autres. C'est simplement un effet de conformité. Tu n'es pas capable. Tu veux être dans le groupe, il faut que tu le fasses. Vous voyez C'est cette conformité de groupe, moi, sur laquelle je pense qu'il faut se battre. Alors. Quelques éléments clés pour l'action. Il reste trois ou quatre diapositives, rassurez-vous. Et ces éléments clés, donc, sont les suivants. Alors, j'ai écrit un livre il y a quelques temps qui s'appelle Les dix commandements contre la violence à l'école. Je ne vous les défilerai pas tous. Et euh, il y a un sixième commandement auquel je tiens particulièrement. Ce commandement-là, c'est la solitude, tu éviteras. La solitude pour les victimes, d'abord. Il y a des victimes qui sont agresseurs en même temps, mais il y a aussi beaucoup de victimes qui d'abord sont seules et sont seules à un point qu'on a du mal à imaginer. Par exemple, cet enfant qui, pendant toute sa scolarité, de la maternelle jusqu'à la cinquième du collège, n'a jamais eu un ami parce que il a, quel que soit le stigmate physique, un stigmate. Bon, il n'y a pas de profil, hein. simplement il y a une solitude. Bon. Et ce stigmate fait qu'il n'a jamais eu d'amis. Il arrive en cinquième, et là, arrive un nouveau qui ne le connaît pas, et qui, euh, donc, va le voir. Et donc, ça y est, il rentre chez lui, il est, il est heureux. La maman, quand elle me l'a raconté, elle en pleurait de joie. Enfin, il a un ami. Sauf que le lendemain, l'ami, il a été prévenu par le groupe Tu vas pas aller avec ce bouffon, tu vas pas aller avec cet intello. Hein? Et c'est l'ami qui devient le pire harceleur. Et ça, c'est terrible à vivre pour un enfant. Vous voyez Cette idée de, de la solitude, elle est là. Mais c'est vrai aussi, bien sûr, pour les enseignants. Allez, je vais vous faire une confidence. Je me suis engueulé il y a une semaine avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui est une professeure de lycée professionnel en banlieue parisienne. Elle me dit puisque bon, j'ai eu l'occasion de travailler longuement, sans être pour autant de son bord politique, mais moi je suis un expert, donc sur les questions de harcèlement avec le ministre actuel de l'Éducation, Luc Chatel, où j'ai réussi d'ailleurs à lui faire organiser les Assises nationales du harcèlement, qui a été un événement assez considérable. Et donc, cet ami m'a dit bon, dans mon, dans mon lycée, j'ai des problèmes terribles. C'est à cause du ministre. Bon, pourquoi pas? Le ministre, tu comprends, bon, à force de supprimer les postes, crise des vocations, etc., elle sait très bien que je suis totalement contre l'idée de supprimer les postes. À condition que ça s'accompagne aussi d'un certain changement dans les pratiques pédagogiques. Mais bon, je dis, bon, alors, explique-moi. Ben bah oui, écoute, tu comprends, du coup, on a été obligé de recruter en vitesse un, 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 un jeune garçon, quoi, quasiment, 22 ans, euh, qu'on a été récupéré. Il était en lycée euh, pour, donc, euh, euh, faire des cours de maths. Il, euh, il était en. En licence plutôt que pour faire les cours de maths. Et donc ce jeune, 22 ans, ben, il est dans la classe à côté de moi. C'est inimaginable. C'est un bordel incroyable. Il se fait chahuter, il se fait presque bousculer par les élèves, il se fait insulter tout le temps, etc. C'est pas possible, c'est la faute au ministre. Bon, d'accord. Et là je lui demande et toi, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Bon, t'as à côté de toi un jeune qui se fait. Chahuté, massacré, etc. Qu'est-ce que tu as fait bah, Rien. Et je lui demande, mais alors attends. Et ça, j'étais vache parce que je le savais. Combien tu avais d'élèves dans ta classe bah, J'en avais pas, ils sont en stage. Authentique. Authentique. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, alors que nous prônons, en tant qu'enseignants, généralement, et quel que soit le pays, au moins dans les pays de l'OCDE, bon, des valeurs qui sont par exemple les valeurs de la solidarité Qu'est-ce qui nous empêche d'incarner nous-mêmes en équipe ces valeurs Alors, en France, on a ce problème particulier qui est qu'on a des enseignants qui sont formés uniquement d'une manière disciplinaire dans le second degré. T'es prof de maths, mais n'es pas un enseignant. T'es un prof de maths. T'es prof d'histoire. T'es prof de géo, et t'es pas formé professionnellement. Mais en même temps, c'est quand même un problème, ce problème de la solidarité. Je vous ai parlé de l'exclusion à partir de la composition des classes sur l'exemple, je n'y reviens pas. Parlons un peu de la justice scolaire. Alors, c'est vrai que quand on a des problèmes de violence dans un établissement scolaire, on aura tendance à penser que l'exclusion ou la punition des élèves fautifs est la solution. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas sur le plan idéologique. Tout, sauf admettre qu'un enfant se se massacrer par un autre enfant. Bon, il n'y a aucune raison à ça. Il bon, n'y a aucune excuse à ça. Il y a des explications. Peut-être que l'enfant, effectivement, a des problèmes lui-même. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, traiter les problèmes de violence à l'école, c'est aussi aider les enfants agresseurs. Bon, donc je n'ai pas de souci de logique. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas. Le seul problème, c'est que la punition augmente les difficultés. Sur ces faits, questions de harcèlement, par exemple, les premiers à nous dire de ne pas punir les élèves harceleurs, ce sont les harcelés. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils disent, mais si je dis les choses, ça sera pire pour moi, et ils ont raison. Combien d'élèves vont être obligés de quitter l'établissement Moi, ce que j'appelle la double peine des victimes. Hein Donc, il faut aller vers autre chose, c'est-à-dire vers une réparation. Et une réparation des agresseurs et des victimes en même temps. Par des choses que je n'ai pas le temps de défiler, mais peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, parce qu'il me restait trois minutes, il y a deux minutes. Mais c'est la voie. Alors, la formation, évidemment, la formation, la formation, première chose, première chose bête, simplement une chose, une chose. Si vous admettez que ces problèmes de violence à l'école sont des problèmes qui sont souvent des problèmes de groupe, ah, ce que j'ai essayé de montrer un petit peu rapidement, et qu'on se rend compte que dans la quasi-totalité des pays du monde, on a des enseignants qui n'ont jamais été formés à la dynamique de groupe, cherchons l'erreur. Bon, c'est quand même important de savoir ce que c'est que la conformité de groupe. C'est important de savoir ce que c'est qu'une minorité agissante. C'est important de savoir tout simplement d'apprendre dans notre formation comment on passe la parole à un groupe sans la perdre. Pourquoi donner la parole, c'est une chose, mais donner la parole sous condition. Je ne la donne que si tu écoutes. Je ne la donne que si tu l'as demandé. Et c'est à partir de là que la parole devient authentique. Il ne s'agit pas de la refuser. Il s'agit de la donner. D'où quelques principes d'action. Rassurez-vous, c'est la dernière diapositive longue. La dernière sera juste une lecture. Donc, cinq principes d'action. D'abord, lutter contre la solitude des victimes. J'ai essayé de l'expliquer. C'est pour moi une question de valeur aussi. Oui, c'est une utopie fraternelle. Je suis français, hein, liberté, égalité, fraternité, mais j'y crois. Principe numéro deux les agresseurs ont le droit de changer de comportement. Eh oui, les plus conformistes de tous sont les agresseurs. Ils n'ont pas d'autre solution ils agressent. 80% des cas, c'est des cas où le môme ne sait pas quoi faire d'autre. Donc en l'occurrence, il existe un tas de programmes, je pourrais peut-être vous en présenter dans le, dans le débat, mais un tas de programmes qui se basent sur cette idée, il faut développer la capacité d'empathie, bien sûr, mais aussi et surtout la capacité à montrer qu'il y a plusieurs choix à un problème. Juste une chose rapidement, je peux le faire Il n'a pas osé dire autrement. Hein. Là, il n'y avait pas le choix. C'est l'exemple, par exemple, d'un programme qui s'appelle le programme des dilemmes moraux. Bon, bah, c'est dire à, à, à un groupe d'enfants et moi je l'ai vu fonctionner avec des gosses très très durs. Hein, ils sortaient de prison pour certains, hein, donc euh, au, au, au Canada, où euh, donc euh, on présente une situation, une situation qu'on travaille avec les avec les jeunes pour montrer qu'à cette situation il y a plusieurs points de vue différents. Je dis bien points de vue. La situation, par exemple, que j'ai vue très rapidement, c'était avec des adolescents de 17 ans, hein, où euh, donc Paul, on dira, 17 ans. Je vais essayer de ne pas trop accélérer pour la traduction quand même, parce qu'il doit souffrir là-haut. Bon. Donc Paul, 17 ans, euh, qui euh, donc, euh, a une petite copine, donc on va l'appeler Sylvie, 14 ans. Donc c'est la, la situation qu'on travaille. Et Sylvie est enceinte. Alors C'est lourd, travailler ça avec des gosses, des, des jeunes adolescents de 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait Le point de vue de Sylvie, c'est écoute, moi, c'est mon corps. Il est hors de question que j'apporte... Je suis totalement contre l'idée de l'avortement, je suis pro-life, sorte de question. Paul, 17 ans, écoute, ma chérie, je t'aime, mais je me sens pas capable d'être père à 17 ans. Et je pense que tu vas mettre en l'air tes études. Et le point de vue des parents, et le point de vue de la grand-mère, et le point de vue du curé, si vous voulez, quels que soient les points de vue. Notre rôle d'adulte n'est pas de dire c'est ça le bon point de vue. Parce que sur le plan philosophique, rien que ce type de choses, on aura tendance à dire oui, effectivement, Sylvie a raison, c'est son corps, il n'y a personne qui doit l'obliger à avorter, etc. Mais on peut dire que les arguments de Paul ne sont pas complètement idiots. Ce n'est pas à nous adultes de dire c'est ça le bon argument. C'est simplement faire en sorte que les jeunes puissent se mettre dans plusieurs situations différentes. C'est ça, les libérer du pattern d'agressivité qui est le seul qu'ils connaissent. Principe numéro 3, ne pas laisser filer le temps, combattre pour la prévention. Ben bah oui, hein. comme dit un de mes amis Gilles Royer, qui est donc de Québec, c'est quand même extraordinaire. On attend toujours que les problèmes deviennent chroniques pour dire qu'il aurait fallu les prévenir. Principe numéro 4, la qualité d'un système éducatif ou d'une école ne peut être supérieure à la qualité de ses personnels, vouloir la formation. Et principe numéro 5, il faut lutter contre les, toutes les discriminations. Cela s'appelle l'égalité. Oui, derrière ces problèmes de violence.. Comme d'ailleurs, derrière les problèmes d'apprentissage, il y a d'abord une chose qui est essentielle, c'est que ça touche de manière prioritaire des enfants différents. Oh, il n'y a pas de vrai profil, on peut être différent de la même différence qu'un autre sans être harcelé. Mais il n'empêche, il n'empêche que les différences de genre, quand je dis genre, je parle de l'homophobie aussi. Les différences qui peuvent être liées simplement à la race, qui peuvent être liées à, à la, la couleur des cheveux, qui peuvent être liées à tout ce qu'on peut bricoler, au fait d'être bon ou mauvais élève, d'être handicapé, par exemple, bon. sont constituent donc des, des raisons de la de la victimisation. Donc oui, c'est vraiment lutter contre toutes les discriminations. Et puis et puis, je dirais que la, la raison principale, je vous la résumerai à travers un, la phrase d'un d'un grand pédagogue euh, qui est un grand pédagogue polonais, Janusz Korczak qui est un pédagogue qui a eu le choix, justement, qui a fait un choix fondamental dans sa vie, qui a été un choix fatal, c'est vrai, c'est que quand on lui a proposé de descendre du wagon plombé dans lequel on emmenait ses élèves vers Auschwitz, il a refusé de descendre. Je vous remercie.